compatriotes moi yo Jean ça t'est annoncé à Guy Philippe te ba rendez-vous avec moun go naïve 1er janvier pour révolution commencer faut que nous chavirer l'état pour nous retirer pays d'Haïti que nous besoin tout monde t'attend Guy Philippe dans gros date ça on belle date 1er janvier 2024 1er janvier 1804 bay 220 l'année depuis nous prend indépendance nous son gros date yon date nous pensons que c'est une deuxième révolution dans le pays d'Haïti mais c'est bien compté mal calculé Ariel Henry ta pression parce que li père Guy Philippe li kon ki est Guy Philippe tout le monde non naïve te mobilisé ta prétend Guy Philippe qui c'est révolutionnaire pour une bataille pour changer le pays d'Haïti. Puisque nous attendons des déclarations qu'il a fait, même Ariel te prend la pression, il n'y a pas allé au naïf. Ariel obligé de retirer dans Tikaol, il sortit l'armée d'Haïti, il ne marquait pas, de toute façon, il a indépendance, pas en jouet. 220 l'année, nous connaissons, Joseph Noté Goumé, il a libéré le pays. Puisque nous connaissons, Guy Philippe te ba rendez-vous 1er janvier. Go naïve, tout le monde t'attend. Pays d'Haïti pour le bloquer. Tout le monde pour le temps. Balle pour le péter parce qu'il connaît Guy Philippe lui-même. C'est bataille avec Zam qui lui fait. Moun go naïve, gade. 6h10 matin, yo pa wè Guy Philippe. 7h, yo pa wè. 8h jusqu'à midi, yo pa jamais wè Guy Philippe. C'est aux environs de 3h, 4h après-midi. C'est là ça. Guy Philippe débarqué dans Gonaïve. Il débarqué dans Gonaïve, yon chok saron, la baye mayo, et comme ça, révolutionnaire débarqué dans Gonaïve. Est-ce que c'est campagne qui t'a vint mené? Puisqu'elle dit révolution, il te baye rendez-vous dans Gonaïve, eh bien, rendez-vous à mes rendez-vous. On a regardé Guy Philippe, après ça, m'a tourné pour plus de détails avec précision. Yeah.
nous sommes gardés révolutionnaires nous hein, qui c'est Guy Philippe. C'est Guy Philippe ça qui était là en 2004 et c'est lui-même qui là en 2024 là. Il débarqué, je le dis à dans Gonaïves, mais faut dire moi révolution va commencer. Faut dire moi révolution t'a parlé à l'époque en fait. Qui est révolution va faire nous pas connait. 1er janvier il était par rendez-vous, vraiment vrai, il paraît d'aller que te fait les passer. Si Ariel te voulait venir Gonaïves, il t'a qu'à venir. Comme Ariel lui son équipe prend pression, lui connait qui est Guy Philippe, lui va aller, il va aller tenter entre Gonaïves pour deux besoin pas péter. Hein? Et bien là, Guy Philippe débarqué, on choc sa ronde, c'est un carnaval. Ariel met Guy Philippe jeté où? Tandis que Ariel s'il te voulait débarquer dans Gonaïves aux environs de 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, midi, 1h, 2h. Ariel te karete, Gonaïve, la fele sympa, bay mille goud comme habitude, et puis tout, vire dol à la kaili. Men konne Ariel sonne qui prend la pression, li kon ki es Guy Philippe, li pa al tante entre Gonaïve, pou pa di si te konne. Parce que konne, si te konne toujours de, konne Ariel sonne qui prie dans tout, li prie dans. Mais femme soubien, te gant pile ne ki mobilise Gonaïve tout, te gant ne ki te mobilise tout, n'importe quoi cela tout, le vam gade parade. Soldat la médaille d'Haïti, de l'armée là. Yo dit c'est haïtien qui sorti sur formation dans pays étranger. Yo tout vinn là à terre. Mais yo, mais imagine, ça regarde là, c'est soldat qui t'a pour formation dans pays étranger qui rentre dans pays d'Haïti. Là yo vinn là, yo campé. Même journal sont troublé. Gen moun ki dit qu'est, ou quoi c'est les Kenya qui t'a rentré dans pays d'Haïti. Mais non, c'est quoi les Kenya et c'est en février yo t'a venu. Grand peuple qui a posé question ça. Et quelqu'un qui dit ça c'est soldat l'armée d'Haïti qui t'a pour formation dans pays étranger, yo vini là pendant indépendance, il a fêté indépendance 220 l'année indépendance, yo met pied à terre. Yo gagne une machine neuf. Grand peuple doute, quelqu'un qui dit oh oui, moun ça pas haïtien. Moun ça c'est étranger créé puisque on connaît Kenyan. Yo gagne même couleur pour avec nous. Yo dit ça pas haïtien. Et ben la fouille prison Kalalou. Pour nous connaître, est-ce que c'est un monsieur qui est venu là, vient garder le territoire là, je crois que le gros jour du 1er janvier, nous avons fêté 220 l'année indépendance nous, pour une force internationale qui est sur le noir. Je crois que ça, il a un dérespectant, de ça, il a fâché. Oh, pour nous fêter 220 l'année indépendance nous, pour ces autres nations qui ne marquent pas sur le sol, papa, de ça, non. Mais non, je crois que c'est. Eh bien, Guy Philippe, libère peuple à l'aise, peuple à tapetonni, depuis bien bonnet, il ne pas venir, il fait les passer pour Ariel Henry, il fait tout ça qu'il faut faire, et puis tout. Pour venir là, il est venu, c'est sous ton châle campé, la vraie maillot, qu'on est, campagne lancée, et campagne liée, la vraie maillot, Ariel Henry Philippe, jette tout, c'est ça que nous entendons là, nous sommes gardés vidéo, ça nous est, révolutionnaire, sous tête, nous sommes tous, et puis tout, j'ai fait vidéo, Ariel Henry Philippe, jette tout. Pendant la parler là, de Guy Philippe. Femme bien. Gen gen plainte qui déposé pour Guy Philippe. Gen pile moun là ces citoyens nan Fort Liberté qui pote plainte pour Guy Philippe. Yo pote plainte pour Guy Philippe parce que yo reproché el pour zak brigandage li te fait dans année 2004 côté li te écrasé et puis prend en pile matériel dans yon magasin dans commune Terrier Rouge. Tendez bien. Li te accompagné avec yon groupe terroriste qui relè Kosovo. Donc pi moun ki rapple baye ça, et bien là et qui groupe ça te trouvé nan commune Troudi Nord, yo arrivé pote plainte pour Guy Philippe. Nan plainte ça qui yo pote a, gen plusieurs moun qui signé plainte ça. Gen moun qui mette en pétio pour signer et mba bon liste moun qui signé nan plainte ça et Jean Gassou ekran la gen Anatole Clerville qui déposait empreinte li, gen Joseph Daniel qui signé avec empreinte li, gen Kesnel Pierre qui signé, gen Pierre Ernas qui signé là ou bien Ernas, on va connaître Ernas ou bien Ernas parce que m'pa biwel, gen Duvalis Arons qui signé, Amancia Destenor qui signé, gen Luc Davilma,
gen Rosel Clerville, gen moun encore qui c'est Gedet Joseph qui met empreinte li, Jean Gaël sur écran là, gen Alius Pierre qui met empreinte li, gen Jocelyn Étienne qui met empreinte li, gen Pierre Solis et Solis qui met empreinte li tout, c'est différents moun sa yo qui signé qui déposé plainte pour Guy Philippe dans bataille qui faite en 2004 avec groupe terroriste Kosovo côté était rivé dans yon business, yo cassé magasin et puis tout, yo prend tout matériel à avec lui, moun sa yo déposé plainte pour Guy Philippe pendant Guy Philippe a lancé bataille pour révolution on l'autre bord, gen moun k'a porté plainte pour Guy Philippe dans bataille qui était fait en 2004 et moun sa yo pas oublié, yo pas oublié perte de fait avec groupe Kosovo et puis Guy Philippe. Yo pas oublié Guy Philippe, c'est pour laquelle yo déposé plainte là pour Guy Philippe. Mes amis, bah la grave, bah la empire. Gen peu moun ki di, yo pas pense ça pour Guy Philippe. Franchement, yo honte. Parce que pour parole Guy Philippe t'a parlé là, parole piment bouc, yo pas jamais pensé c'est comme ça révolutionnaire t'a débarqué nan Gonaïve. Comme l'était bail, rendez-vous 2 janvier la Miagwan. Non, la mais là et déjà dit côté canal la fouille Wanamet 2 janvier la rivière Wanamet comme vous bien jeudi 1er janvier là sous Joumou distribué sous canal là comme vous bien canal là qui est fini bon citoyen lui-même lui met toute l'idée avec lui habillé noir et rouge c'est un coup de saline lui sous choix lui la parler parole là c'est un coup de saline qui était là en personne. Ça son bel exemple, regardez là. C'est citoyen qui sous cheval li, manchette li, kembe nan men, la parle parole là. Et t'as un peu moun tout qui te prend la ri avec drapeau bleu et rouge là, qui t'a marqué pas, mais on va la mettre sous canal là. Canal la fini, femme ou bien, non, jou Kavinyo là, par exemple, il y a un peu de inauguré non. Regardez seulement petit nettoyage, canal qui est fini. Mais regardez un bel canal comme ça, c'est un plus bel canal qui gagne sous l'île là. Claire. Sous l'île d'Haïti, c'est le plus bel canal qui gagne là. Canal République Dominicaine avec Haïti. Ça, ouais, le canal Haïti, là. Plus bel canal, moun wana met fait là. Nous allons comparer avec ça. Vieux tintin, moun, et c'est le même que nous. Paris, c'est tellement bel. Gou façon de faire, les lois venir pour de loi passer, lui frapper, non, petit bit. Et puis tout, pour de loi diriger le droit. Même la rivière, ta descend, canal noir toujours gagne de l'eau. La tour gagne de l'eau. Il y a des gens qui travaillent là, qui ont préparé la terre. Aussitôt que de l'eau entre dans le canal là, pour qu'on arrose le jardin. Je demande, il faut qu'on ait une pompe. Il faut qu'on ait une pompe dans le canal là, pour qu'on arrose pleinement. Pour qu'on arrose. Parce que je suis plein de salibans en pile de riz, même j'avais la tibonite, il y a des patates, des pois. Faut bien. Le canal là, non, je suis venu là, année 2024, ça, c'est inauguration du canal. Clé, c'est inauguration du canal. Abinadel pas content dit tout pour canal ça là on bègue un canal au canal jour dimanche ou ka débarqué vinn faire photo shoot et puis tout aller avec petit bout la belle petit ménageou bois petit crème hein ou bois crème là et puis tout ou regarder petits oiseaux qui voler et puis tout si gien petite galette ou faire tirer petit roche dans de l'eau ou faire roche à courir sous de l'eau avec ménageou et puis ménageou ka souri petit vent tu ta sous galette là mes amis ba la grave ba la empiré mais canal là après il ogiré dans jour cavignou là et bien là quand là ça c'est fini Guy Philippe ba nous rez ça ne dépasse de Guy Philippe là ba ça le dit tout Guy Philippe ou Guy Philippe il va me faire il va faire 12 heures de temps dans Gonaïve parce qu'il faut lui gêter entrer voilà même parce qu'il te dit de promettre 2 janvier là quoi la mettre il va louer agent Bessapio il va louer travail là mais moun wana mettre gêter attendre Guy Philippe malé rendez-vous. Nos prochaines émissions qui avaient été tournées, l'autre dossier Chanel, ça, c'est Prod 69, n'amenez pour liker, abonner, peser sur cloche notification, retirer sur social sur toutes les vidéos pour ne pas rater. Merci un pile Duhamel. Duhamel et Isaac. Magistrat déplacé. L'attendez. Je dois vous le dire. C'est pas une question de cas particulier, non. Son question de qui ça? Le cabinet d'instruction qui déplace. Non mais c'est le cabinet qui est déplacé. Pamzo. C'est pas le juge, non. Et le juge d'instruction, c'est le juge d'instruction, mais il y a le cabinet qui se déplace. Le cabinet d'instruction peut se déplacer à n'importe quel moment
dans n'importe quel lieu. Dans toute règle, il y a une exception à Esaïe César. Selon Duhamel, auditeur en France, si je ne me trompe pas, il dit cabinet à Kadé placé à l'état de Mouna, c'est s'il à l'étranger. C'est s'il à l'étranger. Pas s'il sous territoire. Redis pas encore. C'est s'il à l'étranger, si le concerné, si le convoqué, okay. Qui l'autre français m'a utilisé là encore. Hein? Si celui qui est le appelé témoin. À comparaître, si le témoin, si le whatever, en Haïti, la comparaître, si à l'étranger, le cabinet. Ou bien le magistrat m'a connu. En tout cas, c'est un autre débat. En tout cas, mon cher moun ki li nan pi gros livre passé mieux, mon ami avocat ou ça m'zoula. Moi t'a souhaité gagner ça très bien. Avis maître Anel Rémy, maître et maître Tolbert Alexis et nan pouvoir. Ouais, ouais. Ah mon cher, ah mon cher Zaï. Tolbert Alexis. Et maître cité monsieur. Et maître cité. Maître Tolbert Alexis et maître du pouvoir. Maître Caleb et maître Caleb. Maître Anel Rémy, maître bon plusieurs maîtres, hein, maître dame d'où c'est que maître dame yo maître. Ah bon, pas connait. Bon mais c'est font petit contact avec maître yon nan maître là et maître Caleb et ben non point de doigt là. Merci Casimir. Dans moment là, on besoin comprendre ça qui passé, ça qui passé à comment relé qui jeune qui a qualifié lui parce que nous autres et qualifié l'audition maître là. Nous autres matin débat, nous même nous là pour aider population comprendre ça qui passé. Et Anel Rémy. Oui, Haïti, Anthony Phelps, mon pays que voici. Ah, mon pays que voici, avec Anthony Phelps. Hein? Un grand diseur comme moi. Yes. Un grand diseur. Hein? Yeah. Mais Anel Rémy, quand on y a levé, yeah, bah, regardez, ou même pas la population. Bah, regardez, moi, ce cabinet a déplacé à l'aide de tout l'autre reste pour le temps de yo. Je vais essayer de communiquer avec Mais Anel Rémy là. Et nous avons une question l'autre juriste là, un autre avocat, maître Noël Georges, et bah nous point de doigt dans ce dossier ça. Bah merci que maître Noël Georges. Merci à Stanley Metor et qui voyait nos respects au bah nous même pas quoi Guyane là dedans non. Pas quoi Guyane en Amérique du Sud là non Stanley. Et gros ami qui là c'est le Pérou. Oui, en tout bon maître Caleb là. Mette Caleb, nous allons mettre Caleb aller là. Nous allons mettre Caleb, nous allons mettre George. Qu'est-ce que tu apprends? Mette George, c'est matin de bac, là, Kaou là. Matin de bac, matin de bac, de bac, là, Kaou là. Orlando, n'a pas géré ça, Orlando. Mais vous, elle, bon, mon cher. On allez, Zay, on fait ça. Par contre, c'est pas connecté, mon cher. On allez. Mais c'est vrai, par contre, c'est pas connecté. On allez, ok. C'est méga coopérateur. Mais vous pouvez pas. Mettez la souligne, on allez. Il fait exprès. Mais c'est samedi, ça, monsieur. On allez. Bonjour. Zami, pas la Zami souligne. Oui, j'écoute. Et voilà ce qu'il y a. Mais George, il y a un cabinet d'instruction qui est déplacé, qui est rendu sur les lieux dans la résidence officielle pour le ministre là, et M. Ariel Henry, et comme témoin, il y a le temps de M. Ariel Henry à titre de témoin dans le cadre de dossier et Jovenel Moïse là. Donc, et le point du droit, dans ce sens, qui ça la loi dit, ou bien qui ça, et qui compréhension nous-mêmes juristes, et homme de loi yo dans dossier ça les que cabinet d'instruction déplacé l'alter des premiers ministres. OK. Bon voilà. Les hommes et les femmes sont égaux devant la loi. Donc si il fait pour une, faut le faire pour l'autre et pour toutes. Mais en plus le code de décision criminelle prévoit que les juges ont déplacé. Il faut qu'il rende une ordonnance. Ok. Pour le déplacer. Et il faut accompagner impérativement d'un paquetier. C'est le commissaire du gouvernement. Le commissaire du gouvernement. Et d'après ça, m'apprendre, monsieur allé avec greffier seulement, non accompagné d'un paquetier.
Oh, oh. Mais ça fait personnel, il est arrivé à la justice. Si vous m'en l'argent parlé à M. George, c'est un bagage dans mitaille, un petit arrangement quelconque. Et ça, ça t'a dit? C'est ça lié même. Oh! Et ça le fait. Et en plus, ça le fait à, eu égard à la loi, nul et de nullité radicale. N'a yo tout gâté pour ces dieux-là. Yo, yo oh. Gâté sa instruction parce que yo montre que bah, ils ont mis ta capeta. Oh, mais George, son gros bagarre on dit là, mais George. C'est toujours dit gros bagarre. Mes amis, comme si juge Jean Wester et juge Walter Wester Voltaire déplacé à rendre visite à Premier ministre là, c'est comme si vous te carrelé ça, une visite de courtoisie, mais George. Mais oui, n'a que dans mon petit monde, j'ai bon petit monde. Oh! 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 Défenseur de droits humains, journaliste alors et avocat de renom dans le pays, il y a un point de droit. Sous sacré les déplacements du juge d'instruction au bureau du Premier ministre Dr. Ariel Henry, comme ministre intérieur et Premier ministre, et qui indexait dans le cadre du dossier de Jovenel Moïse, qui lui-même aller poser question à Premier ministre. Maintenant, appréciation mettre en El Rémy par rapport avec déplacement cabinet d'instruction hein, pour aller dans résidence Premier ministre. Pourquoi ça c'est Esaü déjà? Oui, Esaü c'est ça. Esaü c'est ça. Bonjour Louko, bon gouvernement en fait à tout. Bonjour tout auditeur de ce matin. Bah. Donc j'ai été pris au dépourvu, donc pas au l'un bon, c'est mes amis. bon, moi-même, jusqu'à présent, jusqu'à ce matin, j'ai eu des résistants pour faire intervention, mais vu que c'est avocat, donc position et donc position qui t'a supposé doter d'une certaine sensibilité, puisque c'est bon bah m'a fait de manière émotive, de manière personnelle, c'est pas une opinion personnelle. Correct. C'est une opinion basée sur ce que dit la loi. Mm-hmm. Et ce qu'on fait tout débat ça, Esaü. Mm-hmm. Tout débat ça fait parce que le CIC est un porte-à-faux par rapport à ce que dit la Constitution. Reprends ça pour nous, mesdames et messieurs. Le code d'instruction criminelle est un porte-à-faux par rapport à l'article 10 de la Constitution. Ça veut dire ça. Mm-hmm. Il y a deux petites incohérences. Ok. Entre CICA et Maman Loi PIA. C'est Constitution. L'article 18 de la Constitution stipule ceci. Tous les citoyens sont libres et égaux devant la loi. Mm-hmm. Tous les citoyens. Tous les citoyens, généralement quelconque. Mm-hmm. Quel que soit le statut, d'ailleurs, la Constitution ne fait pas de distinguo par rapport au statut, par rapport à la position, par rapport au grade, etc. Il parle de ça. Mm-hmm. Il parle de citoyen. Ok. Maintenant, le débat réside sur cette appellation qu'on appelle mais ce statut qui est le statut de haut fonctionnaire. Toute question résidait autour de haut fonctionnaire. Maintenant, au cas dit, c'est tout comme avocat et défenseur dans le monde. Lorsqu'on parle de haut fonctionnaire, est-ce que son lot citoyen pour y? Bon, je comprends, non? Oui. Lorsqu'on oui. parle de haut fonctionnaire, est-ce que vous avez un traitement qui est plus par rapport à un citoyen ordinaire qui me laisse comme ça? Maintenant, la loi est claire. La loi est claire. C'est sûr que l'article 18 ans dit et quel que soit le monde, quel que soit le monde qui est devant la justice, elle ne dit pas qu'elle est au-dessus de la loi. Non. Maintenant, on a un aller dans l'incohérence qui est alors, dans cet article 4
400 et 401 du CIC dit. Il dit au prime abord, ça dit bien, les hauts fonctionnaires de l'État ne seront jamais cités à titre de témoins. Article 401. Les grands fonctionnaires de l'État ne pourront jamais citer comme témoins, même pour les débats qui ont lieu en présence d'un jury, etc. Ok. Ça dit là, dans l'article 401, il y a parlé d'une certaine immunité indéterminée que les hauts fonctionnaires. Maintenant, c'est ça qu'il faut après, par conseil des ministres. Père Mariel Henry prend une décision, l'autorise, comme si il rend toute autorité ça au passible par devant les juridictions de droit commun. Ok. Elle dit, je te gagne immunité, immunité à tomber. Ok. À partir de l'ordonnance ça, de l'ordonnance spéciale ça, qui fait que au passible par devant la justice haïtienne. Alors, suite à la conseil des ministres là. Oui, oui. L'ordonnance spéciale là qui retire l'immunité, monsieur. Parce que dans le capitaine, article 416 c'est à jour, il n'y a pas carré les moutons devant la justice négative. Il y a immunisé. Maintenant, à partir de l'ordonnance, immunité a tombé. Ok. Maintenant, nous étions dans l'article 401 toujours. Oui. Je dis, Mounsayo, les dépositions des personnes de cette qualité. Le dilemme dit. Déposition de personnes de cette qualité, on a parlé de hauts fonctionnaires usagers. Oui. Je dis, seront rédigés par écrit et reçus par le doyen du tribunal civil. S'il a empêché la désignation d'un juge, si je l'ai empêché la désignation d'un juge de paix, vous entendez bien, oui? Maintenant, dans l'alinéa 1, je dis, ce magistrat, que c'est juge de paix, mais juge d'instruction, et par moi qui invente-t-il. Ce magistrat se transportera aux demeures des personnes dont il s'agit pour recevoir leur déposition et s'il y est cher, poser toute autre question concordante susceptible d'éclairer plus amplement la justice. Tout ceci est pour vous dire que la démarche du juge d'instruction est correcte. Elle n'est pas contraire à la loi. Suivant les dispositions de l'article. Les articles 400 et 401 du pays. Mais quand il y a la guerre de mon cadre, pour qui ça soit assimilé, en fait, m'a dit, écoutez, pour qui ça, tout le monde va au courant, m'a dit, on se le bagaille, Isaïe. Pour ça, comme je dis, même pas avocat. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quiconque. Je défends la science, le droit, le principe, Isaïe. Vous d'accord avec vos cœurs, pas d'accord avec monter votre avis. Venez avec vos arguments contraires. Mais pour ça, nous parlons d'une instruction, Isaïe. Un procès diffère d'une instruction. Le procès est public. Yeah. Les apports organisent un procès. Je toujours dis, déboutant des bons juges apports organisent un procès. Pour fermer le procès à nul et de nul effet. Ok. Vous avez dit, mais oui. Que dans le cadre de cette affaire, il s'agit d'une instruction. Correct. L'audition peut être secrète. Yeah. Parce que le juge d'instruction est un juge chercheur d'indices. Bon, c'est comme non? Correct, oui, non. Correct, oui, là. C'est une question que vous posez, Kounia. Pour qui ça, législateur nous a créé discrimination, ça, Isaïe? Pour qui ça, monsieur, l'on a rédigé le texte de loi, ça, il a pas réfléchi sur le cas, ça. Ça, son dernier précédent, là? Oui, bien sûr. Qui pourrait le poser un peu le problème? Dans le temps. Parce que bon, discrimination, tout propre, sous-dime tous les citoyens sont estimés égaux devant la loi, et puis pour qu'ils soient venus avec statut de haut fonctionnaire là. Et puis, vous dites que statut de haut fonctionnaire là, moun se yo pas passible devant les tribunaux de droit commun, n'était, ou bien, si ce n'eût été une ordonnance prise en conseil des ministres, ou bien, si c'était un président, t'as dit, si c'était une autorisation au président. C'est là où il débat. En tout cas, non, et il n'est que d'attendre pour voir et comment ça va le faire, ça va continuer fait. Naturellement, selon les derniers éléments d'information, c'est que le juge là est déjà attendu dans la même résidence premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, M. Michel Patrick Boisvert,
et le secrétaire général du Palais National, en l'occurrence M. Josué Pierre-Louis, qui donc depuis Aïe, qui donc trois moun sa yo, trois autres personnes. Non, seule journée. Non, seule journée. Bravo. Donc, ils étaient des locaux, non, seule journée. Non, faut dire, ils étaient des locaux, tout. À toi, reprise. Pendant toute la journée, elle dit avec Louko seulement. Okay. Fait... Donc, maintenant, Rémi, merci et pour compréhension de ce dossier, hein, n'est-ce pas vrai, brûlant de l'actualité. Et merci. Nous espérons gagner l'autre fois. Joyeux Noël. Moi, je pense que pour finir, Esaïe, moi, je pense que genre de questions qui sont soulevées dans la société, supposé pour que ces prochaines. Législature que nous avons là. Important. Très bien. Très bien. Mais Daniel Rémy, le flou. Tous les jeunes libéraux ont droit, même penser que l'immérité, faut réfléchir pour éviter genre de. Gemette Galette qui sous panel là, qui t'a voulu poser une question. Moi, elle veut aussi contradiction, mais Daniel Rémy, dans ce sous-dit là. Où sont évoqués article 401 du Code d'instruction criminelle qui dit que. Et yon pa katande yon gros palto nan l'état. Yon fonctionnaire, selon la constitution. Oui. Et à titre de témoin. Maintenant, la contradiction que me soulevé, c'est que avant ça, te dit que le fait que le conseil des ministres là, et yon permet, voilà, pour permettre que Mounsa accompagne devant le juge là, est-ce que la décision ça que te sorti dans le conseil des ministres, pas tout retirer, ça me t'a capable de dire, en dit en quelque sorte. Retirer l'immunité, yon. Bon, en tout cas. En tout cas. Mais s'il retire le Daniel Rémy, donc, pour qui ça, magistrat, obligé de déplacer, parce que s'il retire ipso facto, le Ariel Henry n'est plus premier ministre, même si c'est temporairement. C'est dans la forme, c'est dans la forme. C'est dans la forme. C'est dans la forme. Bravo. Alors, faut comprendre bien. Ouais, bien content, on a fait débat, ça. Faut comprendre bien. Allez dans l'article 401 alinéa 1. Mm-hmm. Lis l'article 401 alinéa 1. Moi, je dis, réflexion, c'est que, bon, discrimination qui crée là, le haut et le monde, il y a un statut de haut fonctionnaire. Moi, je dis, l'article 18, maman loi pays, a dit que tous les citoyens sont libérés devant la loi. Ça veut dire, pas que ce soit haut fonctionnaire, peut être soupçonné. Ah, pas le tout, pas que la dote. Mais quand il y a là, pour retirer l'immunité, ça, immunité définitive, ça, ça veut dire, puisqu'il n'y a pas de président, c'est président qui demande autorisation, qu'il y a un conseil des ministres, il retire l'immunité, ça. Mais attention, le, ce que vous avez dit, dans la forme, le retire l'immunité, mais il a toujours été au fonctionnaire, oui. Son statut tombe pour permettre qu'il participe devant une juridiction de la commune, oui. Mais qu'il y a, le roi, non, article 401 alinéa 1, il dit que le magistrat qui a déplacé, oui, ce magistrat, bon, il pour échamet, bon, il pour. Ça fait bien, oui, bon, il pour. Il dit ce magistrat, en parlant, parce que ni quand on juge de paix, ni quand on juge d'instruction, mais dans le cadre de, du dossier de l'ex-président, c'est le juge d'instruction. Il dit pour recueillir les dépositions de ces personnes, des personnes suicidées, à savoir les grands fonctionnaires, ce magistrat se transportera au demeure des personnes dont il s'agit pour recevoir leur déposition et s'il est cher pour les questions, etc. Elle dit là, article 401, ben, il y a une provision légale. Mais Kounia, réflexion, Esaïe, la question qu'on doit se poser, moi-même comme avocat, j'ai une réflexion juridique. Ça. Mais Kounia, là, et la personne qui n'est pas avocat, comment va-t-elle concevoir ce comportement? Moi, je comprends, non? Kounia, là, faut que le juge d'instruction réfléchisse bien pour que. Le la page comme ça pour population par la politiser audition. Moi je comprends non mais. Correct. Écoutez, moi même avant, moi je dois dire pour qu'ils soient pas venus de l'ouko la calibri. Moi je comprends non. Parce que si on a un problème de égalité devant la loi, soit dire que tous les citoyens sont égaux devant la loi, l'ouko doit être la calibri. Oui. Mais puisque l'incitateur n'a pas réfléchi, c'est même l'incitateur qui crée le problème. Ça, ça veut dire, oui. C'est eux même qui créent, oui. Puisqu'ils n'ont pas été en mesure d'établir le distinguo, de donner beaucoup plus d'explications par rapport à son état de fait. Et la loi ne dispose que pour l'avenir, la loi n'a pas d'effet rétroactif. Nous avons une sanction après, il base sur l'article 401, pour l'alternance des magistrats, pour l'alternance des PM. Là, il y a une autre nature. Mais qu'on y a lui-même, d'un point de vue politique,
pour éviter que ça y a une mauvaise perception de l'audition, hein? Pour éviter que y a une mauvaise perception de l'enquête là, pour y ajouter à dire, ah mon cher, moi ça apprend plus tôt, je vais me retourner dans le numéro initial avec ces bureaux qui vous feraient là. Vous tenez tout le monde. Voilà, merci. Merci, à merci, bien, merci, Maître Rémi. Nous avons avec nous, sans transition aucune, nous avons avec nous Maître et Caleb Jean-Baptiste. Et Maître Caleb Jean-Baptiste. Et nous avons avec nous Maître Caleb Jean-Baptiste lui-même qui est déjà en ligne. Merci de votre souffrance, Maître Caleb, et qui est avec nous. Allô, Maître Caleb? Allô, Maître Caleb Jean-Baptiste? Allô? Oui, oui, Maître Caleb Jean-Baptiste, le point du droit et à travers ce dossier brûlant de l'actualité et côté Premier ministre et Dr. Ariel Henry et Monsieur le juge d'instruction et Maître Voltaire, t'allais déplacer. Maître Caleb? Maître Caleb? Oui, allô, allô. Et alors, juge l'a déplacé, la caille, on nous dit la caille, Premier ministre, non, Musso, pour l'attendre, Premier ministre, et ancien, alors, ministre, actuel ministre en finance, là, et puis, et secrétaire général, palais national, là, dans résidence privée, Premier ministre, là, et qui ça ou gagné comme compréhension dans le cadre de ce ça? Oui, salut, Isaïe César, journaliste expérimenté. Journaliste crédible dans le pays. Je salue ancien député. Je salue ancien député Pierre Martin Tatout. Je salue Louko Désir, même que Ligue Nova dans le studio là. Je salue tout le monde. Et vraiment, pour l'émission. Et c'est un. Je salue Diaspora. Je salue tout le monde bloc avocat. Et je dis, pas jamais oublier la consultation. Toujours prendre yo dans 37 16 60 75 37 16 60 75 parce que jodi a là il y a des dossiers brûlants et cap actualité dans pays a en pile monde a dit des bagages que ou pas comprendre en pile monde a dit des bagages qui pas légal vraiment dans ça jodi a là compréhension nous compréhension légale nous de ça pas compréhension légale c'est ça la loi dit et yo juge de succion. Pas oublier, les on parle, pas oublier, vraiment, et l'on parle d'un juge d'instruction, c'est le juge qui gagne plus pouvoir dans la chaîne justice. Ok, parce que l'autre du juge d'instruction, son juge qui n'a pas besoin de gagner un flagrant délit pour l'arrêt de tout le monde, son juge qui a tapé à titre de témoin, ou il veut l'équipe, son ouais. Juge. Ou qui adapte d'eau, vraiment, il était inculpé. Et puis, il y a une ordonnance, il dit que pas de charge, pas de rien. Il va aller. Il va aller de nos lieux. Quand son juge, l'arrivé devant, c'est l'on sorti, à quelle que soit qualité ou venir, pour qu'on ait vraiment ou sorti. Parce que, il doit être invité à titre de renseignement, les positionnés, il y a des bagages qui viennent immédiatement l'inculpé et immédiatement l'arrêté. Parce que, pas besoin. Vraiment, gagner flagrant, pas besoin de rien, pas besoin de trop formalité, la loi qui bat le prérogatif ça, le code de l'instruction criminelle qui bat juste l'instruction prérogatif ça. C'est pour ça que vous rappelez nous, mais Napoléon Bonaparte, dans le temps en France, il a dit que c'est le personnage le plus puissant. Ah oui, c'est Napoléon Bonaparte, il a dit au juge d'instruction, c'est le personnage le plus puissant sur la terre. Sur la terre! Ok? Ça veut dire. Parce que là, pour nous, on a qui pouvoir avec ça. Et pour bagaille tout, je voulais dire que vous avez intervenu, étudiant, et vous avez fait, il faut nous dire qu'il y a une différence entre le Conseil des ministres et le Conseil du gouvernement. Lorsqu'on parle de Conseil des ministres, c'est là qu'il y a le président. Correct. Moi, puis mon a répété, il a été décidé dans le Conseil des ministres. Non, pas dit ça pour élève, pas dit ça pour étudiant. C'est là qu'un gouvernement, pas qu'un président, vous parlez de conseil du gouvernement. Alors, comme Ariel Henry est de fait avoué rôle premier ministre et en même temps, et l'a comblé vide présidentiel là, si je comprends bien. Et peut-être, c'est qu'en ce sens, ça fait le conseil des ministres. Non, il n'y a pas comme ça du tout.
Parce que pour parler de conseil des ministres, il ouais. faut gagner président. Ça est ouais. clair, il est écrit noir sur blanc. Pour parler, de ne pas gagner président, pour parler de conseil du gouvernement. Ça est clair. C'est la loi, c'est la constitution. Nous, par cas, on l'autre bagage qui est la loi. Partie. Bon, pour invitation, en ce qui a trait avec l'invitation de faire le jugement et inviter M. Ariel Henry, lui dire à titre de témoin, pas qu'on a qui qualité parce que je ne voyais pas l'invitation qu'on a envoyée à M. Ariel Henry. Jusqu'à date, je dis Premier ministre, pas de problème. Mais ce qui est important, le juge Voltaire, un juge pour qui j'ai beaucoup de respect jusqu'à date, mais lui vraiment commet une gros erreur qui vraiment descend l'image de la justice. Il y a une erreur que nous avons pile temps encore pour l'image de la justice à ta aussi. Et maintenant, le juge là vraiment ressaisi lui et on juge pas politicien, on politicien est un politicien, on juge est un juge. Ça juge en fait à son coup politique. Il n'y a pas un coup légal, il n'y a pas un coup juridique. Et parce que, même clavo, conseil du gouvernement, ou même conseil des ministres, j'ai dit, ok, conseil de gouvernement, pour ne pas dire même avec ça, ça tout le monde dit, conseil de gouvernement, ça le fait, il était autorisé avec le juge pour t'étendre M. Ariel Henry et avec des hauts fonctionnaires de l'État. Qui c'est par exemple premier ministre et premier ministre là, et puis et ministre et économie finance et puis CG secrétaire général palais national et plusieurs autres monde encore OK puisque mes côtés yo parler que attendez bien monsieur attendez bien pour nous bien comprendre mes côtés que et ça sorti là la loi dit la constitution est claire pourtant des hauts fonctionnaires de l'État faut que tu aies gagné autorisation de le président de la République. Correct. Puisque le président de la République dit oui, puisque nous pas le président de la République, puisque actuellement nous dans situation c'est un premier ministre qui dirige pays, eh bien c'est à bon droit que conseil de gouvernement l'y autorisé avec un juge avec une autorité judiciaire qui t'a l'étendé un haut fonctionnaire de l'État pour lui mettre à la disposition de haut fonctionnaire de l'État. Ça, pour le faire vraiment, pour le faire exactement sa constitution dit, pour lui vraiment respecter la constitution. Et l'autorité judiciaire, ça, le juge là, tout, lui connaît bien. Pour le temps de un haut fonctionnaire d'État, il faut qu'il y ait une autorisation président de la République, comme il va là, il faut qu'il y ait une autorisation conseil de gouvernement. Eh bien, immédiatement, il y a une autorisation hein, pour convoquer M. Yoa, pour convoquer Mounsa qui est un fonctionnaire. Pour venir pour une question dans le bureau. Parce que, ben clair avec vous, l'heure où l'on a des nègres là, on dit qu'au cours de l'audition, au cours de l'instruction, et puis, où joindre des indices? Parce que le juge de succion recherche des indices. Où joindre des indices? Et immédiatement, Negla, même si à n'importe qualité le TIA, ou qu'à mettre soulevé ou de la justice, ou obligé mettre soulevé ou de la justice, c'est ça la loi dit. Mais quand il y a un dit que vous n'avez pas Negla, ou à l'ambiance au lit, côté que lit sécurisé, et puis, où jouent indice, où jouent preuve, où jouent tout le bagage. Sur qui base, comment on va le faire, Kembel, comment on va le faire, arrêter. Qui est-ce qu'on va le faire, hors de dépôt, pour envoyer le côté de l'envoyer. C'est pour ça nous-mêmes, nous clair. Nous disons avec le juge là, livrement, grave ça le fait. Et nous disons à tout le monde, qui a intervenu dans le dossier ça, que vous soyez avocat, avocate, que vous soyez des professionnels qui n'ont pas gagné pour avec toi, demandez-nous, il faut prendre des consultations juridiques dans des gens qui connaissent ça la loi dit. Et pas moun qui fait des petits bagages que vous ne comprenez pas. Et pas moun qui dit des bagages que la loi pas dit. Et pas moun qui cherche à faire plaisir avec un groupe de monde ou avec un premier ministre ou avec un autre monde juste pour des intérêts mesquins, pour des intérêts vraiment d'Acadie. Qui va gagner pour nous avec la loi juste parce qu'il y a un dossier, il y a besoin du premier ministre pour bagarre pour vous, juste parce qu'il y a un dossier, c'est le premier ministre actuellement qui vous baille autorisation et autres, m'a dit suspend avec bagage ça, m'a dit suspend avec démagogie ça, parce que pays aujourd'hui là, le Sanoué là, les hommes de là,
OK, yo obligé prendre responsabilité yo, yo dit ça la loi dit, j'ai la loi dit sans passe pour qui? On négocie médecin dit ça dit exactement ça qui gagne médecine. Vous êtes journaliste, prenez responsabilité. Vous êtes avocat, prenez responsabilité. C'est juge, prenez responsabilité parce que jodi a là, on va accepter un pile nèg. Pile monde dans des dossiers très brûlants juste parce que yo gagne des amis, cherche des avantages, il y a petit des bagages exactement que la loi pas dit. Et ça arrive plusieurs fois, marche des interventions depuis semaine dernière, qu'il s'agit de dossier de monsieur Guy Philippe, qu'il s'agit de dossier de Ariel Henry et qu'il s'agit de d'autres dossiers brûlants de la société, vraiment grand pile bagage qui a dit dans la presse, des personnels, des personnages disons mieux, a dit des bagages qui pas cadré à la loi. Nous-mêmes nous clair, nous condamner à toute force nous et vraiment réaction comportement jugeant. Et n'a demandé avec CSPJ pour les garder ça qui passé. Est-ce que ce bagage politique? Est-ce que Souba qui est motivé par le pouvoir? Est-ce que Souba qui est motivé par l'argent? Est-ce que Souba qui est motivé par l'incompétence? Faut vraiment questionner sur ça qui passe. Et nous demandons avec cette CA, côté qui est des mondes honnêtes, crédibles là-dedans, ils ont commis certification pour responsabilité. Nous comprenons que le mandat juge d'instruction n'est pas loin fini. Oui, nous sommes au courant de ça. Oui, nous connaissons le mandat juge Voltaire presque fini comme juge d'instruction. Ah bon? Mais oui, oui. Oui, oui, on a presque fini. T'es chargé. C'est pour raison pour juger dans des dossiers pareils, pour juger parce que la fête des bagages contre ça. Moi-même, Maïssa Voltaire, je respecte, je connais l'âme de respecte. En tant que monde, en tant que juge, je respecte les autorités étatiques de mon pays. Mais l'action que vous posez là, à l'entendez M. Ariel Henry, Dr. Ariel Henry, à l'entendez et ministre économie et finance, à l'entendez CG à la caille, Ariel Henry, c'est vraiment un bagage qui n'est pas cadré à la loi. On dit que au cours de l'audition, où t'as joué M. Ariel Henry, il est impliqué dans l'assassinat du président. Ça va faire. Où t'as qu'à Kébel? On dit au cours de l'audition, où joigne que ministre finance, il est impliqué dans l'assassinat. Où t'as qu'à Kébel? On dit que au moment de l'audition, moun sou attendé avec côté joya ou jeune impliqué. Est-ce que ou t'as qu'à attendre Kembeo? Est-ce que vous t'avez qu'à mettre sous les verrous de la justice? Ça, c'est démagogie. Et nous dit juge là, responsabilité de ça, nous condamner là toute façon. Et nous dit, c'est raison ça, qu'il faut équipe nous aujourd'hui là. Il y a volé bien, il y a volé caillou, il y a volé terre, il y a volé tout ce qui est possédé. Là, il y a des gens qui ont refusé par eux. Et ça qui cause, c'est parce que l'équipe juge aujourd'hui là, ils ont laissé intimider, ils ont laissé tchoule. Des responsables, des politiciens, ils sont intimidés par le pouvoir exécutif qui rend cause justice pas autonome, qui rend cause en équipe qu'on a souffri, qui rend cause tout. Je dis à vous, monsieur Axam, dans tout quatre pays, parce que là, la justice, le juge regarde des filles qui sont telles, il regarde des filles qui sont telles juges, il regarde des filles qui sont telles monde. Regardez figure moun sa, est-ce que moun sa li gen député d'elle, est-ce que gen sénateur d'elle, est-ce que moun sa gen moun nan primature, est-ce que moun sa gen moun nan palais national, est-ce que moun sa gen tel moun, est-ce que gen tel moun débile pa gen yen, je l'en dis son malheureux, est-ce que moun nan gen l'argent il va gen a ou te met gen kaou yo volel peut-être gen tel yo volel. Merci met Caleb. Nous dit juge pour finir action on a dit que li pa ka servi de rien action ça l'aime de la servir de rien il me dit pas dit que il va quand jurisprudence il va quand même parce que son action qui illégale et arbitraire et m'a demandé avec CSJ CTCA pour prendre responsabilité. Donc, pour me finir m'a dit tout journaliste spécialement monsieur Isaïe César député Pierre Maté à toutes l'autre journaliste je dis en ligne et autres qui était vraiment bonne opportunité pendant année 2023 ça pour me vendre image mais profession. C'est une possibilité pour me dire ça, la loi dit merci et m'a profité de nous joyeux Noël en retard et bonne année que nous ait 200 années encore pour travailler à faire pour bien. Merci. Merci M. Caleb. Joyeux Noël. Merci et sans transition, nous allons parler avec